Depuis l'indépendance en 1958, la Guinée court après deux choses, le respect des droits de l'homme et l'alternance démocratique en République de Guinée. Donc, le combat pour le respect des droits de l'homme et pour une alternance démocratique continue. Donc, à mon avis, il ne peut pas y avoir de coup d'éisme encore une fois parce que nous avons vu les méfaits du coup d'éisme entre 2000 et 2010. On ne peut pas répéter à chaque fois nos fautes antérieures. Il faut que la Guinée avance et le président Alpha Condé doit entendre la voix du peuple qui lui dit abandonne de projet une nouvelle constitution. Organise correctement les élections législatives et qui sortira par la grande porte et qui aura une sortie honorable. À mon entrée, je vous remercie et le combat continue. Vous êtes en train de faire l'histoire de la Guinée pour une réelle démocratie en marche. Et vous en êtes des acteurs. Félicitations à vous. Merci beaucoup.